Bonjour Kat Payen. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Google et de son utilité vraiment pour nous les marketeurs. C'est absolument formidable. Comme vous voyez, je suis venue en haut comme les gratte-ciels parce que Google, c'est là que ça vous emmène. Si vous savez vous en servir, il n'y a pas de meilleure solution pour votre business. Alors oui, bien sûr, on peut faire du référencement, on peut faire des choses, mais la chose la plus intéressante, je dirais, avec Google, c'est son interface, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Il vous aide. Si on dépense un certain budget, tout de suite, on a un spécialiste qui travaille avec nous. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est... Bon, on a un mot-clé, bien sûr. Forcément, on a une cible, on a une clientèle qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est les phrases en fait qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs mots-clés qui vont ensemble et où est-ce qu'on peut aller dénicher les clients, sincèrement. Et c'est vraiment fort intéressant pour un marketeur déjà de connaître soit ce que veut vraiment son client pour trouver les mots qu'il faut ou utiliser son cerveau un petit peu ben différemment quoi. On peut pas, on doit vraiment se rappeler ben, ou de se dire bon ben je vends par exemple je sais pas une paire de chaussures, mais quelle paire de chaussures? Et voilà, et là on descend, enfin le jargon qu'on utilise c'est comme Alice au Pays des Merveilles, on descend dans un rabbit hole et vraiment c'est comme ça, et on descend, on doit faire des recherches et c'est pas juste ah oui je pense à un mot clé, je le mets, baf, voilà. Google, à ce niveau-là, pour être première page, il faut vraiment savoir s'en servir et son utilité. Mais c'est absolument passionnant. Donc, je conseille tout le monde d'utiliser Google, vraiment. Moi, ça fait plusieurs années que je m'en sers et il y a des résultats assez fascinants. Maintenant, c'est vrai que c'est un outil complètement différent que les autres moteurs de recherche comme Bing, Yahoo et autres joyeusetés. Les compagnies, parce que ben, les autres, alors ils vont toujours nous sortir des statistiques comme quoi ils sont mieux, plus adaptés, etc. Mais la référence c'est Google. Dès qu'on a une idée en tête, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la première chose qu'on fait c'est let's Google it. Enfin, en anglais, en tous les cas, c'est devenu un mot carrément, une action qu'on fait. Donc, c'est fascinant et je conseille vraiment tout le monde d'utiliser Google. Donc j'ai fait une série d'articles que je vais mettre le lien en dessous. Je vous invite à aller les lire, vous documenter et n'ayez pas peur. Appelez-moi et moi je donne une demi-heure de communication gratuite pour Skype, email, YouTube, Hangouts, you name it. On peut le faire. Donc il y a plein de moyens de communiquer sans bouger de son bureau. Et ça c'est fort intéressant aussi. Donc... cliquez sur les liens, prenez contact avec moi et on verra comment on peut faire affaire. Bye for now!